Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, mais bon, vous le savez, je ne montre pas ma tête en ce moment. Mais vous inquiétez pas, vous allez bientôt la revoir. De toute façon, ce n'est pas une grande perte hein, de ne pas voir ma tête. Vous voyez la tête à Fifi, c'est déjà pas mal. Alors aujourd'hui, une petite vidéo. Vous savez que je fais le challenge du DP Action que Jackie a mis en route. Voilà, donc c'est un challenge qui se fait sur 12 semaines. Donc, on devait choisir un diamond painting exclusivement d'action. Moi, c'est ce que j'ai fait, bien sûr. Donc, j'ai choisi le renard. Voilà, le petit renard. Donc, j'ai déjà fait ma première case. Voilà, c'est fait. Donc vous allez me voir un petit peu en train de faire ma case et ensuite je vous remets des photos de ma case terminée. Voilà. Alors l'histoire qui est rigolote, vous allez peut-être faire attention ou pas, je ne sais pas. Vous allez voir qu'au-dessus de ma case, il y a une bande blanche. Vous allez vous demander pourquoi. Alors cette bande blanche est au-dessus du DP et en dessous du DP. Parce que moi, j'ai enlevé la feuille plastique d'origine et j'ai mis un papier sulfurisé. Et bon, moi, Chouchou a plus l'habitude que moi. Là, c'était, je crois que c'est la première fois que je mettais une feuille de papier sulfurisé. Et donc, Chouchou m'avait dit, après, tu prends ton petit scalpel, délicatement, tu coupes ton papier. Voilà, tu l'enlèves. D'accord. Mais grosse brute comme je suis, j'ai appuyé trop fort et j'ai coupé mon DP. Voilà, donc ma case est comme ça. Hein. Et ici en haut, bah, j'ai coupé mon DP. Donc il est carrément coupé. Hein. J'ai tout traversé. Hein. Donc du coup, j'ai dû mettre du scotch normal, ça ne tenait pas. Donc, j'ai mis du double face, mais en dessous, j'ai laissé la protection extérieure, hein, bien sûr. Et au-dessus, là où je vais mettre mes diamants, j'ai remis un double face, mais que là, je n'ai pas enlevé tout de suite le temps que je fais ma case. Et là, quand je suis arrivée en haut, bah, c'est là que j'ai enlevé le double face. Donc bon, j'espère que après ça va pas se voir. De toute façon, là, je vais faire tout de suite ma case du dessus cette semaine. Et j'espère bah, qu'on ne verra pas. Parce que j'ai essayé de faire au mieux pour pas que ça se voit. Mais il y a un micro-millimètre de décalage. Bon, moi, je le vois parce que je le sais. Mais bon, je m'arrange pour que les perles cachent cette connerie que j'ai faite. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Donc là, pour la deuxième case, je vais demander à Chouchou qui me coupe le papier parce que j'ai pas envie de couper tout mon DP. Voilà. Mais bon, Gaston Lagaffe, hein, c'est moi. Il n'y en a pas d'autres. Ou bien que je fais une connerie. Voilà. On ne rigole pas de voir derrière son écran. Je vous vois rigoler. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais vous laisser visionner donc le reste de la vidéo. Et à la fin, je vous ai mis des photos de ma case terminée. Donc, je remercie encore Jackie pour ce petit challenge. Ça va me motiver à faire un petit peu de DP parce que j'en fais pas beaucoup en ce moment. Et puis là, donc là, j'ai une semaine pour faire la deuxième case. Et ainsi de suite, jusqu'au temps que l'on ait fait nos 12 cases. Voilà. Allez, je vous laisse visionner la suite. Et en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous mets les liens de la chaîne des chaînes de Jackie, puisqu'elle en a deux, en barre d'infos. N'hésitez pas à aller lui rendre visite et à vous abonner à sa chaîne. Allez, bisous, bisous, bon visionnage pour la suite.
Au revoir, Fifi!